Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire Elisphere consacré à la question comment adapter le scoring aux besoins du credit management. Donc, merci à toutes et à tous d'être présents avec nous ce matin. Je vais commencer par poser une petite question. Est-ce que vous nous entendez bien, juste pour voir si au niveau de la technique tout va bien? Vous avez le chat en bas à droite de votre écran pour pouvoir nous dire si tout est correct. On va attendre 2-3 minutes que les derniers. Tout est OK, bah parfait, merci beaucoup pour vos retours. Juste un petit point technique, vous voyez que vous avez plusieurs onglets en bas à droite de votre écran, vous avez le chat, vous avez la possibilité de poser des questions tout au long de l'intervention. On gardera un petit moment avec Dino Jean et Mathieu à la fin du webinaire pour répondre à vos questions. Et tout au long du webinaire, il y aura également des sondages qui vous seront soumis, donc ce sera une petite fenêtre qui va apparaître devant votre écran et qui vous permettra justement de répondre à des questions qu'on souhaite vous poser. Bonjour Mathieu, bonjour Dino Jean, vous êtes tous les deux data scientists chez Elisphere. Bonjour à tous. Voilà, et ensemble on va parler du scoring dans le credit management et on va respecter un plan qui est celui-ci. On va revenir ensemble sur le concept de scoring, de quoi on parle. On va revenir aussi sur les apports de l'intelligence artificielle dans l'usage du scoring. On reviendra dans une deuxième partie sur les besoins du credit management qui évoluent. On va revenir sur le contexte de crise que connaissent les entreprises depuis plusieurs années, le Covid, la crise russo-ukrainienne et tous les impacts que ça a pu avoir. Et enfin, on reviendra sur les différentes méthodologies de scoring d'entreprise qui existent, parce qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs, qui peuvent répondre à différents besoins pour les credit managers. Et on terminera, du coup, comme je vous le disais, par une session de questions-réponses à la fin de l'intervention de Mathieu et Dino Jean. Donc, pour commencer, je pense que globalement, la plupart des gens nous ont rejoints. Je vous propose de revenir ensemble sur ce qu'est le concept de scoring. Dino Jean, est-ce que tu peux commencer par nous introduire qu'est-ce que le scoring finalement? Alors, pour parler de scoring, pour comprendre à quoi sert un score, à quoi sert le scoring, le meilleur moyen de le faire, c'est de regarder le cas, le scénario où on n'aurait pas de score. Prenons l'exemple d'Elisphere. Quand nos clients viennent nous voir pour avoir de l'information sur une entreprise, on leur fournit différents scores en fonction de leurs besoins. Si on ne leur donnait pas de score, et ainsi que les informations qui vont avec, qu'est-ce qu'on leur donnerait? Eh bien, on leur donnerait un peu toutes les informations, la masse d'informations brutes. Et là, il y a deux problèmes. La personne en face doit chercher par elle-même un peu, doit chercher par elle-même dans les données ce qui est intéressant, ce qui a de la valeur, et en plus doit faire ce travail de synthétiser pour en extraire quelque chose. Le faire sur un très grand nombre d'entreprises, sur un gros portefeuille, je pense que le smiley à gauche résume bien la prise de tête. En face, on a le cas avec un score. Alors un score et plus d'autres informations en plus à côté, pourquoi pas. N'importe qui, en voyant une note de 10 sur 10, tout vert, tout joli, ou une note de 1 sur 10 ou 1 sur 100, peu importe, tout rouge, d'un simple regard peut dire là, il y a un problème ou là, tout va bien. Le score permet alors de synthétiser et de simplifier la tâche qu'on a vue juste avant. Si je parle des avantages de manière générale, il y a trois gros avantages. Et ce, peu importe comment est fait le scoring. Alors on verra après les différentes façons de faire le score. Mais que le score soit fait de manière un peu plus traditionnelle avec un moteur de règles ou avec de l'intelligence artificielle, on parlait de machine learning, de deep learning, ou même un mélange des deux, ce qui se fait en pratique, il y a trois gros avantages. Le premier avantage, c'est l'objectivité. Qu'est-ce que j'entends par l'objectivité? Si vous allez voir un humain, un expert, peu importe, et puis vous lui demandez de lui donner certaines données en entrée, et vous lui dites, au regard de ces données-là, est-ce qu'il pourrait donner une note entre 0 et 100, je ne sais pas, peu importe. Il va peut-être vous dire 66, voilà, peu importe. Vous allez le voir un mois après, avec ces mêmes données, le même contexte, tout pareil en entrée. Il va peut-être vous donner, il va peut-être être un peu plus sévère, parce qu'il n'aura pas pris le café le matin, il sera un peu plus subjectif. Un score, il peut être bon, il peut être mauvais, il peut être sévère, moins sévère, mais une fois qu'il est fixé, il sera objectif. Bon, quelque chose en entrée, il vous donnera toujours la même chose en sortie. Statistiquement parlant, nous, on dit que c'est déterministe. Ensuite, l'efficacité. Donc, comme je vous ai dit avant,
ça permet d'aller beaucoup plus vite pour prendre des décisions, de regarder le score, de lui faire confiance et pour analyser, c'est juste beaucoup plus rapide. Ensuite, bah, dans tout ce qui est scoring d'entreprise, en fait, il y a cette prédictivité. L'idée est de regarder l'historique, les tendances passées, pour bah, essayer de, justement de, d'anticiper le futur, que ce soit pour essayer d'anticiper des risques ou des opportunités. Tu nous disais justement que l'apport de l'intelligence artificielle dans le système de scoring a permis justement d'améliorer les performances. Est-ce que tu peux revenir avec nous justement sur c'est quoi ces apports de l'intelligence artificielle? Bien sûr. Alors, depuis quelques années, même pas mal d'années, on constate une nette augmentation, une nette amélioration sur la qualité du score, sur la pertinence du score, dès lors qu'il y a de l'intelligence artificielle. Il y a deux grands apports, notamment le gain de temps. Alors, qu'est-ce que j'entends par le gain de temps? Supposons que je veux pas utiliser le machine learning, je veux faire une règle simple à la main, ou complexe, aussi complexe soit-elle. Prenons un exemple, je vais faire un score de vigilance, et puis j'ai un expert qui me dit, voilà, une entreprise qui a un capital social inférieur à 500 euros, bah, disons, peu importe, j'aimerais dans ce cas-là pénaliser le score. Très bien. Mais en fait, il se trouve peut-être que ce capital social d'inférieur à 500 euros, lorsque c'est une entreprise qui est dans un certain secteur d'activité, dans une certaine région de France, par exemple, une entreprise qui a été créée à une certaine période, ben en fait, dans ces cas-là, c'est normal. Et du coup, il ne faudrait pas la pénaliser. Du coup, il y a pas mal de comparaisons à faire, de sous-segmentation, pour être sûr que la règle qu'on émet est pertinente. Toutes ces comparaisons à faire, les faire à la main, ça prendrait énormément de temps, on ne serait pas exhaustif, et en fait, ce serait même impossible à faire. C'est là que le machine learning, le deep learning, ou l'intelligence artificielle de manière générale va devenir très intéressant, parce qu'en fait, toutes ces comparaisons sont faites de manière intrinsèque. Nous, on va juste donner une masse de données, et le modèle va s'entraîner dessus, et justement faire toutes ces comparaisons justement pour en sortir le score le plus pertinent possible. Enfin, en parlant de pertinence, il y a des schémas, des patterns dans la donnée. Si je fais un moteur de règles et que j'ai 10 règles, par exemple, je n'ai que 10 règles. S'il existe une 11e règle qui peut-être régit un peu le fonctionnement derrière, c'est sûr que je vais passer à côté, à moins de l'ajouter manuellement. Le modèle, lui, théoriquement, est censé balayer tous les patterns, tous les schémas possibles qui se cachent dans cette masse de données pour en faire le score le plus pertinent possible. Alors attention, c'est vrai qu'on met beaucoup en avant l'apport du machine learning. Dans la pratique, c'est un mélange des deux. C'est à la fois des règles, on part du métier avec des règles experts, etc. Et on alimente avec du machine learning derrière. Voilà pour les apports. Merci Dinojean pour cette introduction justement au concept de scoring. On espère que ça a été clair pour tout le monde. On aimerait vous poser une première question, comme je vous le disais en introduction, on va vous poser quelques sondages. Vous allez avoir une pop-up qui va apparaître sur vos écrans d'ici peu. Et on souhaite vous poser la question suivante, c'est de savoir si aujourd'hui, dans votre fonctionnement, vous utilisez déjà des systèmes de scoring, des scoring à base d'intelligence artificielle ou des scoring métiers dans le pilotage de votre poste client-fournisseur. Donc là, vous devez avoir une petite fenêtre qui est apparue. Donc on vous laisse quelques secondes pour y répondre. Est-ce que vous la voyez tous bien? Alors, pour l'instant, on a une grande majorité de oui. On a 22 personnes qui ont répondu. Alors, 24 personnes qui ont répondu oui. Donc, on a un ratio de 80-20. Donc, face à nous, on a pas mal de personnes qui sont déjà, qui connaissent déjà les systèmes de scoring et qui l'utilisent. Du coup, ça va être intéressant de revenir dans la troisième partie sur les méthodologies qui vont nous permettre de voir comment est-ce que le scoring aujourd'hui il répond aux enjeux qu'on va aborder tout de suite avec Mathieu. Parce que l'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, le contexte, il a changé pour les entreprises. Les différentes crises successives qui se sont déroulées depuis quelques années, que ce soit la crise Covid, la crise russo-ukrainienne, a eu des lourds impacts sur l'organisation des entreprises, ce qui a forcé les politiques de credit management à évoluer pour faire face à de nouveaux enjeux. Donc Mathieu, je vais te laisser nous parler un petit peu des adaptations et de la situation que les entreprises vivent aujourd'hui. En effet, alors pour commencer, on va tout simplement vous rappeler le contexte dans lequel on est. Donc
On a essuyé deux crises successives. Donc, comme l'a dit François, tout d'abord la crise du Covid et de nos jours la crise russo-ukrainienne. Donc, de nos jours, on a un niveau du PIB qui stagne et un contexte plutôt inflationniste. Donc, du coup, on a des problématiques sur les marges pour les entreprises, un risque d'illiquidité qui est accru. D'autre part, ces risques sont accentués pour les petites entreprises et qui étaient déjà les plus faibles. Et ces petites entreprises sont encore plus difficiles à détecter car elles passent sous les radars des signaux forts. Ces petites entreprises sont aussi les plus concernées par les prêts garantis par l'État qu'elles vont devoir rembourser en 2023. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là que les credit managers doivent prendre en compte ces nouveaux indicateurs, ces nouveaux éléments de contexte. Et justement, on en revient aux adaptations pour credit management. C'est quoi les éléments, les indicateurs que les credit man vont devoir, sur lesquels ils vont devoir être plus vigilants finalement? Oui. Pour prendre en compte le contexte, il va falloir se poser la question de comment est généré le cash flow des entreprises et à quel point il est périn. Donc, on a différents indicateurs qui nous permettent d'évaluer cela, savoir si c'est plutôt lié à des effets de marge ou des effets de BFR, où les risques sont finalement pour ces entreprises-là. Ensuite, forcément, on va devoir analyser le contexte dans lequel évolue l'entreprise, donc son secteur d'activité, l'évolution de son chiffre d'affaires, etc. Et ça va avoir un impact, le contexte plutôt va avoir un impact sur la gestion de cash flow de manière générale et sa pérennité. Et on va devoir aussi qualifier en amont les liquidités de l'entreprise. Avec différents indicateurs, encore une fois. Ce sont vraiment des indicateurs de contexte, en plus des indicateurs qui étaient présents pour évaluer la défaillance historiquement. On va pouvoir évaluer les risques d'illiquidité qui sont liés au contexte. Très bien. On va revenir ensemble sur les méthodologies et justement les différentes questions, que ce soit sur la défaillance, que ce soit sur les délais de paiement, qui sont des problématiques prégnantes pour les credit managers et les directions des risques plus globalement aujourd'hui. Justement, on a revu ensemble l'approche contextuelle autour du scoring. On a vu ensemble le contexte actuel auquel font face les credit managers et on espère que vous vous retrouvez dans les explications que Mathieu a pu donner. J'aimerais qu'on vienne ensemble sur finalement le cœur de ce webinaire, c'est-à-dire la méthodologie et les méthodologies qu'aujourd'hui on peut mettre en place auprès des services credit management pour les entreprises. Et j'aimerais qu'on commence avec toi, Mathieu, sur le score de défaillance d'Elisphere, qui est un peu aujourd'hui une solution standard. Et tu nous expliques un petit peu comment ça fonctionne et comment c'est adapté avec ce score à la situation que tu viens de décrire. Alors, historiquement, Elisphere vend un score de défaillance à horizon 12 mois. Donc, le but, c'est d'évaluer à quel point il est risqué pour cette entreprise-là de faire défaillance ou non. L'algorithme exploite l'exhaustivité des données qu'on a sur cette entreprise, donc à savoir les indicateurs financiers, mais également les indicateurs de profil de cette entreprise, que ce soit actuellement, mais aussi l'historique concernant ces entreprises. On utilise, comme l'a dit Dino Jean, l'intelligence artificielle pour maximiser l'efficacité de notre score et on s'appuie sur des statistiques sur certains secteurs, etc. pour ajuster cela. Donc, comme l'a dit François, suite aux différentes crises, on a mis en place des ajustements sur ce score standard qui nous permet, grâce à différents secteurs d'activité, différentes métriques comme ça qui ont été choisies par nos experts du pôle financier et du pôle économique, de coller au contexte actuel et d'ajuster du coup notre score. Donc c'est un mélange entre les règles métiers d'experts et l'intelligence artificielle qui crée notre score de nos jours. Concrètement, du coup, comment ça marche? Comment il a été créé ce score? Comment il a évolué?
Alors concrètement, nous, ce qu'on évalue, c'est la probabilité de défaillance à horizon 12 mois. Donc cette probabilité, comme je vous l'ai dit, elle prend en compte énormément d'indicateurs. Ce n'est pas une notation, c'est vraiment un score, donc une probabilité en pourcentage qu'on map ensuite sur un score de 1 à 10, comme vous pouvez le voir comment est fait le mapping juste au-dessus. Et donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas une notation, c'est vraiment une note. Donc, on se base sur des statistiques, sur des probabilités pour générer notre score et non notre note, qu'on peut ensuite corriger ou non en fonction du contexte par des règles qui sont précises, objectives, comme l'a dit Dino Jean tout à l'heure. Grâce à cela, notre modèle a un indice de Gini de 80 sur 100. Donc c'est un indice qui permet d'évaluer l'efficacité et la pertinence d'un score. L'indice de Gini, plus se rapproche de 100, meilleur il est. Donc 80, c'est un bon indice de Gini. Et comme on vous l'a dit précédemment, cela prend 500 indicateurs en compte pour créer le score le plus fiable possible. Très bien, bah, merci Mathieu. On a parlé du score de défaillance, qui est un peu notre score standard aujourd'hui. Pour les problématiques d'iniquité dont tu parlais, il y a aussi d'autres typologies de score. Et Dino Jean, je te propose de revenir avec nous sur le score modulable. Qu'est-ce que c'est que le score modulable? À quoi il sert? Et on verra ensuite comment il fonctionne. Alors, le score modulable, alors pas, contrairement au score de défaillance, comme Mathieu l'a très bien expliqué, qui essaie de déterminer la probabilité de défaillance, le score modulable, lui, va essayer de répondre à une autre question, qui est, si je mets ça entre guillemets, est-ce que l'entreprise va vous poser problème? Alors, ce problème, ça dépend de vos besoins, de si l'entreprise est votre client ou votre fournisseur. Mais si je prends l'exemple du client, par exemple, ça va surtout être un risque lié au paiement. Au-delà du risque strict de défaillance, l'entreprise va peut-être avoir des difficultés économiques. Elle va peut-être commencer à moins bien payer, payer en retard ou ne pas payer du tout. Ce qui va venir impacter votre DSO ou DMP en français, le délai moyen de paiement, qui aura un coût sur votre trésorerie et tout ce qui en suit ensuite. Cette difficulté, elle peut être liée, par exemple, à un risque sectoriel, comme je vais vous le présenter juste après. Donc, il n'y a pas de risque de défaillance, mais quelque chose qui va venir perturber le fonctionnement et qui aura un coût sur vous, du coup. Pour faire ça, on a créé un score, qu'on appelle le score modulable, qui est composé de plusieurs sous-modules, donc des modules sur étagère, en fait. Et vous pouvez choisir les modules que vous voulez. Ces modules sont personnalisables en fonction de votre portefeuille, en fonction de vos besoins. Bien sûr, nous, on préconisera des paramètres. Et le mélange de tous ces scores vous donneront bah, le score modulable. Je te propose d'avancer comme ça, je peux montrer. Donc, vous avez le score final qui est le score modulable. Et vous avez plusieurs sous-modules. Donc, par exemple, vous avez le score sectoriel. Donc, le score sectoriel, il permet de mesurer la résilience de l'entreprise aux crises potentielles et à leurs conséquences économiques. Je m'explique. Aujourd'hui, chez l'ISFER, on a un pôle économique qui fait des enquêtes sur le terrain pour classifier plus de 700 secteurs dans plusieurs niveaux de risque, si vous voulez, et ce, en fonction des contextes actuels. Donc, il y a eu malheureusement la crise Covid qu'on a connue. Il y a la guerre en Ukraine, il peut y avoir d'autres crises demain. Et par exemple, une entreprise, je ne sais pas, un restaurant, qui est le restaurant pendant la crise Covid. Tout son secteur va être impacté et ça, nous, on va le faire ressortir dans le score sectoriel. Et ça va être un signal qui va venir alimenter le score final, le score modulable, et l'impacter positivement ou négativement. Vous avez bien sûr le score financier. Bon, lui, il permet de mesurer la performance économique de l'entreprise, sa santé économique. Le score groupe, lui, son but, c'est de voir si l'entreprise appartient à un groupe. S'il y a derrière une sécurité financière qui est offerte par la maison mère. Alors, bien sûr, dans ce score, on étudie aussi la tête de groupe pour voir l'état de santé du groupe. Parce qu'une entreprise qui appartiendrait à un groupe qui est en mauvaise santé lui-même, ce n'est pas bon signe. Un autre score possible aujourd'hui, c'est le score profil payeur. Alors, il est un peu à part parce que
Et il implique que vous soyez capable de nous transmettre certaines données, notamment des données concernant les paiements qu'il y a eu entre vous et vos clients, par exemple, pour estimer la qualité payeur de ce client. Et en mélangeant tous ces sous-modules, alors il y a d'autres scores qui sont à venir, en mélangeant tous ces sous-scores, ces sous-modules, on crée le score final qui est le score modulable. Voilà. Très bien. Donc du coup, un score un peu plus personnalisé à la fois de notre côté, mais aussi celle du client. Donc là, l'entreprise a vraiment la main sur les critères qu'elle souhaite mettre en place. Exactement. Vis-à-vis de son portefeuille. Parce qu'on sait que toutes les entreprises n'ont pas forcément la même politique de gestion des risques. Donc c'est aussi important de pouvoir pondérer et ajuster sa politique de credit management vis-à-vis aussi du contexte économique actuel dans lequel on évolue. Merci Dino Jean. Et je propose du coup de terminer avec une dernière typologie de score, une dernière méthodologie avec toi Mathieu, donc le score sur mesure. Et là, on va voir que globalement, on rentre dans un paramétrage quasiment, comme son nom l'indique, sur mesure. Donc Mathieu, je te laisse la parole pour parler de tout ça. Et je vous dis juste que vous avez aussi la possibilité de nous poser des questions. Hein. N'hésitez pas, en bas à droite de votre écran, vous avez l'onglet questions. Et après la présentation du score sur mesure, on y répondra. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions dès maintenant. Et je laisse la parole à Mathieu. Oui, donc comme tu l'as dit, les scores sur mesure, ce sont des scores qui vont encore un peu plus loin que les scores modulables, dans le sens où on va pouvoir répondre à des questions qui sont très précises pour les clients. On va, par exemple, pouvoir évaluer de manière personnalisée la solvabilité et la stabilité financière des fournisseurs ou des clients étudiés. C'est un score qui est co-construit par Elisphere et le demandeur de ce score. À la fois au niveau des règles qui vont être vraiment ajustées, qui vont être sur mesure, mais aussi au niveau des données. Donc, on va pouvoir intégrer des données qui vous sont spécifiques, qui vous sont propres, ou alors via d'autres sources de données, par exemple l'open banking. J'en parlerai un petit peu plus en détail après. Tout ça pour dire qu'on va vraiment mélanger les données d'Elisphere, vos données qui sont propres, et co-construire des règles pour répondre à vos besoins qui sont très spécifiques. Donc, à la fois au niveau des données, des règles et de la question que vous posez, on va être sur mesure. Comment ça marche du coup ce soir ? Comment ça marche? Il va falloir déjà déterminer la question qu'on se pose, la question à laquelle on veut répondre. À quoi va servir ce score finalement? Ça va être par exemple prévoir un arrêt d'activité, une solvabilité, un comportement commercial ou plein d'autres problématiques comme ça. Ensuite, on va se poser la question de quelles données on va avoir besoin pour répondre à ces questions. Donc évidemment, les données d'Elisphere, évidemment vos données. Et co-construire toutes ces règles, d'abord avec des règles métiers, ensuite y inclure de l'intelligence artificielle. Souvent, ça se fait par étapes. Je vais vous donner, par exemple, si vous êtes l'exemple d'un client qui peut être un loueur donc qui fait du leasing ou alors un prêteur d'argent. Dans ce use case-là, ce qui est intéressant, ça va être de mélanger du coup, l'historique d'interaction entre ce loueur et ses clients, mais aussi des données d'open banking pour avoir en temps réel accès aux comptes des clients. Et donc, du coup, on va pouvoir créer des règles qui mélangent à la fois la stabilité de l'entreprise de manière sur le long terme, mais aussi son évolution actuelle grâce aux données d'open banking. Et avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir ajuster petit à petit, apprendre de vos décisions avec ce score-là et ajuster ce score pour qu'il soit toujours plus proche de vos besoins. Donc, c'est le but du score sur mesure, c'est d'adapter vraiment à votre question, mais de continuer à s'adapter tout au long du partenariat avec Elisphere. Très bien. Donc, on a vu ensemble du coup les trois grandes typologies score que nous on a en interne et qui peuvent permettre de répondre à pléthore de questions de la part des entreprises. On va vous poser une dernière question. Vous avez un petit module de sondage qui va apparaître sous vos yeux
d'ici quelques secondes sur justement suite à la présentation de Mathieu et d'Innovant. Aujourd'hui, selon votre expérience et selon votre situation, quelle est la typologie de score qui semblerait le plus répondre à vos besoins? Alors, il peut y en avoir aucun, on met aussi l'option dans les résultats. Je vous laisse quelques secondes et je vous rappelle que voilà, on va passer ensuite à la partie questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, s'il y a des questions, peut-être plus de précision à demander sur la méthodologie ou les différentes méthodologies qui ont été abordées, n'hésitez pas. Et on a en majorité, c'est très serré. Des gens qui estiment ne pas avoir besoin de score aujourd'hui, et on est à peu près, au même niveau pour score modulable, score standard et score sur mesure. Alors forcément, effectivement, le score sur mesure, il nécessite un travail en amont qui est plus important que le score standard qui est disponible sur des plateformes comme Elite Pro, par exemple. Mais effectivement, voilà, ce travail-là permet aussi d'avoir une vision peut-être un peu plus précise par rapport à ses besoins et ses enjeux métiers. Donc oui, majoritairement le score modulable. Donc très bien. Alors j'ai une question. Alors comment faisons-nous la demande de score sur mesure par biais du support logiciel? Alors j'imagine que c'est une personne qui est déjà cliente chez nous. Du coup, j'imagine que vous avez un contact commercial à louer, donc c'est plutôt à lui qu'il faut se rapprocher de lui et il pourra potentiellement faire une présentation plus importante et répondre à vos questions par rapport à vos enjeux plus précisément. Alors, pour l'instant, je n'ai pas de questions. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à la présentation? Ce que vous auriez peut-être oublié de dire? Pas forcément par rapport à la présentation, mais par rapport à la question qui a été posée, peut-être deux, trois précisions. Je pense que c'est peut-être intéressant d'expliquer comment c'est co-construit. Donc, il va y avoir si c'est intéressant pour vous, un score sur mesure, il va forcément y avoir un premier atelier d'échange pour voir vraiment vos besoins et ensuite vraiment évaluer si un score sur mesure est nécessaire, dans quelle mesure, comment il est possible de le construire, etc. Et ensuite, déterminer combien d'ateliers, combien de temps de construction va être nécessaire à répondre à votre problématique. On est plus dans la gestion du projet, et là, du coup, dans le cadrage du projet. Alors, j'ai des questions qui sont arrivées. Comment est effectuée l'association entre le score et le crédit recommandé, donc l'avis de crédit, j'imagine? Quelle association est faite par rapport à ça? Alors là, j'ai pas la règle exacte sous la main, mais en effet, en fonction du score qui est donc la en fait donc que ça soit dans le score modulable par exemple ou dans le score de dépendance, peu importe, en fonction du score qui est émis de la LRE, donc ce qu'on appelle la liquidité réduite d'exploitation, on va aussi regarder d'autres indicateurs, le chiffre d'affaires, etc. On fait un croisement. Et c'est ce croisement-là, et la taille de l'entreprise par exemple, c'est ce croisement-là en fait qui va estimer l'avis de crédit conseillé pour l'entreprise en question. Alors après ça, bien sûr, on peut vous donner plus d'informations si vous êtes intéressé, que ce soit dans le cadre du score modulable ou dans le score de défaillance. Alors après, je ne sais pas qui ils doivent contacter pour connaître directement le... Moi, je vais mettre le lien de contact parce que j'ai une question sur le fait que pour savoir si c'était possible de revoir la présentation, j'imagine de l'avoir en PDF. Pardon. Donc je vous envoie l'adresse mail dans le chat qui vous permettra du coup de nous faire la demande pour qu'on vous la transmette. Donc voilà, normalement elle devrait apparaître dans le chat. Donc voilà, si vous avez la volonté d'obtenir le support de présentation, n'hésitez pas à nous faire la demande et nous on vous répondra dans la journée avec le support préparé sans aucun souci. J'ai juste une petite chose. Ah. Vas-y. Parce qu'en fait, on avait pas mal de clients qui sont venus nous voir avec une idée de score sur mesure. Et donc après le premier atelier, en fait, la majorité se rendait compte que le score modulable avec les différents modules personnalisés répondait largement à leurs besoins initiaux fonctionnels et qu'il n'y avait pas forcément besoin d'un développement sur mesure. D'ailleurs, pour ça qu'on a créé le score modulable, parce que certes, il est modulable, mais il est personnalisable aussi.
On a eu un client notamment, par exemple, qui avait besoin d'estimer le risque par rapport à ses fournisseurs. Donc, il nous avait contacté pour un score sur mesure. Au final, c'est ce qu'il utilise aujourd'hui, c'est le score modulable et ça lui va très très bien. Donc, oui, le premier point est très important où on essaie de voir la problématique pour essayer de comprendre s'il y a vraiment besoin du développement d'un score sur mesure, en fait, pour le besoin qui est Oui, c'est aussi notre rôle d'accompagner, d'accompagner et bien de sûr. proposer la solution qui est la plus adéquate. C'est-à-dire proposer un score sur mesure, juste pour proposer un score sur Voilà. mesure, ça n'a pas grand intérêt. Parce Exactement. qu'effectivement, si l'entreprise n'est pas suffisamment organisée pour pouvoir accueillir ce type de méthodologie, voilà, on est aussi en capacité de pouvoir vous aiguiller au mieux dans la réponse à vos besoins. Écoutez, j'ai pas d'autres questions, donc on va terminer un peu en avance. On avait prévu 3 quarts d'heure, mais on arrive à 1 demi-heure. Donc, j'ai plus qu'à vous remercier. Merci Mathieu, merci Dinojean pour votre présentation. Merci à tous les participants pour leur message et pour leur présence ce matin avec nous. On reste bien évidemment à votre disposition si vous avez des questions à l'adresse webinar@elisphere.com. N'hésitez pas à nous adresser vos demandes pour le document ou autres demandes. On restera toujours attentif à tout ça et on vous répondra dans les meilleurs délais. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée et vous dire à très bientôt pour un prochain webinar Elisphere. Merci à tous. Merci. Merci.